Je présente Paul-Louis Rébora, peintre contemporain, créateur du concept particulier le Lucérail. Vous avez ici une œuvre à caractère mathématique et ici une autre œuvre avec une abstraction beaucoup plus ouverte qui va vous permettre d'apprécier cette nouvelle technique et par ailleurs de vous permettre probablement de faire un pas supplémentaire dans la connaissance de l'art contemporain, et je vous souhaite la bienvenue dans cette exposition. Alors, je vais vous présenter quelques autres œuvres. Alors tout d'abord, celle-ci qui est tout à fait caractéristique, vous pourrez constater qu'il y a des bleus extrêmement profonds avec des réminiscences de coquillages, peut-être de gemmes, et il m'a été, je dois dire, inspiré, puisque en fait l'abstraction ne se refuse pas une inspiration, il m'a été inspiré par une œuvre que j'aime beaucoup d'un grand compositeur américain, George Gershwin, Rhapsody in Blue. Cette œuvre, cette grande œuvre, m'a également, dans une certaine mesure, inspiré une autre œuvre, ici, beaucoup peut-être plus dense en couleurs, avec les mêmes mouvements que j'ai rencontrés dans cette Rhapsody in Blue. Oui, alors, effectivement, il y a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de sensualité, en quelque sorte, avec des mouvements, avec des couleurs, puis avec des formes qui m'ont été inspirées justement par cette grande œuvre internationale. Par ailleurs, celui-ci, qui est tout à fait caractéristique également de mon art, c'est, il m'a été inspiré par Nice. Je suis allé de nombreuses fois au carnaval de Nice et j'ai été très marqué, très impressionné par ces mouvements, par cette joie, cette ambiance, cette chaleur qui règne au moment du carnaval, cette envie de défoulement de la foule. Et j'ai même voulu aussi rappeler une des couleurs caractéristiques de cette région, que j'aime beaucoup, Nice. Eh bien, ces taches, en quelque sorte, jaunes, qui ne sont pas du tachisme gratuit, non, c'est effectivement une espèce de rappel à la couleur naturelle et principale de Nice, c'est-à-dire le mimosa de la Côte d'Azur. Sur cette œuvre, eh bien, j'ai pu m'exprimer pratiquement totalement, j'ai pu recréer cet univers, même dans l'abstraction, cet univers d'ambiance extraordinaire de la Côte d'Azur, de la vie, de la gaieté, de la couleur, du mouvement, ce qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Paul-Louis Rébora, depuis de nombreuses années, vous travaillez l'abstraction. Comment en êtes-vous arrivé à l'abstraction ? Eh bien, tout d'abord, j'ai longtemps étudié les grands abstraits comme Zaouoki, Malevitch, la gestualité de Georges Mathieu, Artaud, Pollock et sa technique de dripping, ou encore l'impressionnisme abstractisé de Stahl. Mais j'éprouvais toujours une certaine insatisfaction à l'analyse de leurs œuvres, un manque, un sentiment d'incomplétude, autant visuelle que sensitive, le ressenti d'une non-réponse à mes attentes. J'allais dire sensuelle au sens étymologique du terme, mais aussi spirituelle. Je me suis alors questionné sur les raisons de cette insatisfaction, ce manque, sans véritablement trouver de réponse satisfaisante. Bon, une seule solution s'imposait donc à moi, faire un travail personnel de fond qui me permettrait de découvrir pratiquement, concrètement,
de quel ordre était cette absence d'une autre dimension, face naturellement à ces grands artistes. Alors j'ai réalisé que ce manque n'était finalement strictement en moi qu'en moi, profondément enfoui, et qu'il me fallait chercher pour y trouver une réponse à travers mes propres œuvres, et c'est ainsi que je me suis engagé dans l'abstraction. Mais naturellement, par de nouvelles voies, avec de nouveaux moyens, en inventant d'autres techniques pour aller plus loin que ce qui nous était proposé. Mais j'étais très confiant car, pour moi, l'abstraction est avant tout une libération, un territoire d'innovation, donc de progrès, de civilisation. De plus, à mon sens, l'art abstrait étant essentiellement d'essence humaine, dans ce qu'elle a de plus beau, de plus noble, permet de situer l'homme dans le reste de l'univers et d'en mesurer la grandeur. Vous parlez souvent, Paul Rébora, dans vos conférences, dans vos expositions, comme dernièrement à Cannes, sur la Côte d'Azur, vous parlez d'une nouvelle lumière polychrome dans vos œuvres. Qu'est-ce que cela signifie ? Bien, la lumière est ma matière première, dans le sens où je ne la subis pas, mais où je la décline comme un merveilleux moyen d'expression qui me permet d'aller au-delà du conventionnel, au-delà du réel tangible, du palpable. Ce qui m'est donc important, ce n'est pas ce qu'elle est, mais ce que je peux en faire, ou plus exactement ce que j'en fais. En d'autres termes, je ne suis pas spectateur de la lumière, j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'elle est une de mes composantes. Une lumière pleine de tonalités, d'aura, de couleurs impalpables, mais qui, pourtant par la pratique et surtout avec l'aide de mes techniques, finit par se laisser canaliser, s'agencer en des compositions qui, peu à peu, m'apportent des réponses face aux absences que j'ai ressenties chez les autres artistes. Paul-Louis Rebora, vous nous parlez dans votre travail d'une nouvelle lumière picturale que vous réalisez dans l'œuvre d'art. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, dans votre travail matiériste, comment vous réalisez cette nouvelle lumière picturale ? Bien, eh bien, cette nouvelle lumière picturale, en réalité, c'est le lucérail. C'est en fait une action technique sur les pigments et les feuilles d'or, de verre, d'où j'arrive à extraire une autre dimension de luminosité que je manie, que je m'efforce de guider, de conduire, de maîtriser l'abstraction dans le sens et en fonction de mes ressentis. Ceci afin de développer pleinement mon expression, il me faut modeler tout d'abord à mon gré le médium partiellement translucide que l'emploie, médium générateur de couleurs luxuriantes. Et il me faut également modeler la lumière incidente qui, transitant à travers le médium d'une façon parfaitement contrôlée, va créer un ensemble d'effets très particuliers comme des transparences nacrées, irisées, semblables à celles que l'on retrouve dans certaines gemmes, illuminées, générant des nébulosités irréelles. Le lucérail me permet de structurer un ensemble harmonieux sans cependant que la spontanéité de la création en soit bridée. Avec le lucérail, je crée ainsi une sorte de nouvel univers touchant au merveilleux, à la fois magique, mystique par certains aspects, ou même cosmique, reflet de mon propre univers. Vous nous parlez du lucérail, Paul-Louis Rébora. Si l'on devait retenir quelque chose d'essentiel pour qu'on puisse le comprendre de manière beaucoup plus approfondie, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce propos ? Comment retenir et résumer l'essentiel dans le lucérail ? En fait, c'est une nouvelle lumière picturale que je crée dans l'œuvre d'art que je nomme lucérail. L'idée de ce terme est venue tout simplement par mes recherches et ma pratique issue le terme lucérail est issu de lucis, lumière en latin. Lucérail est
un nom masculin. On peut dire un lucérail, une œuvre en lucérail. Certes, un néologisme qui s'impose pour définir mon travail, pour mieux le faire comprendre au public. C'est un concept et en même temps un procédé. J'ai créé le lucérail qui est un style pictural, autant qu'une démarche technique de beaux-arts, aboutissant à la création d'œuvres d'art. Le lucérail peut aussi rejoindre des réalisations plasticiennes plus importantes au niveau des arts appliqués ou des esthétiques de l'architecture. Le lucérail sera ainsi un signal d'art fort du bâti moderne. Et lorsque je réalise un lucérail, je concrétise à la fois une recherche esthétique, artistique. C'est un résultat tout autant théorique que plasticien, scientifique et technique, sur une nouvelle approche de l'abstraction, mais aussi de la lumière, de la couleur, et notamment avec le vert. Le lucérail, ce peut être une œuvre picturale dans l'espace muséal, ou comme je l'ai déjà dit, un procédé de décor lié étroitement à l'architecture contemporaine. Pour Louis Rebora, comment vous situez-vous par rapport aux autres peintres abstraits ? Bon, il est évident que la communauté de peintres a globalement porté ses efforts vers les innovations stylistiques autour d'enjeux de forme, de géométrie, d'enjeux spécifiques de la couleur, avec pour aboutissement, comme on le sait, les fameux monochromes, synthétisant toutes les théories américaines autour du champ coloré. Elle a également œuvré dans des progrès autour de la logique de rationalisation de couleurs et de formes pour créer un langage universel, comme le préconisait Mondrian. Un effet butoir s'est donc créé, un mur apparemment infranchissable, qui en réalité a déclenché en continu une dispersion des expressions, la plupart dans des formulations esthétiques. En ce qui me concerne, éviter le piège, avec pour moi une recherche esthétique, certes, mais aussi plus technique, afin de franchir ce mur de la finitude, de l'abstrait.